L'un des derniers navires à effectuer la traversée ramenait quelques jours plus tard le général De Castres, commandant le camp retranché. Au cours d'une prise d'armes, non loin d'Hanoï, en présence du général Cogny, le général De Castres ne dissimulait pas une émotion bien naturelle après 4 mois de captivité.